La Ville de Montréal a inauguré un nouvel espace pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la métropole. Christine, c'est le même Centre des mémoires montréalaises qui aura de quoi ravir les nostalgiques. C'est sûr, parce qu'il y a plein d'artefacts qui représentent Montréal, Sophie, au fil des ans. On commence avec une collection d'enseignes lumineuses comme le Fairmount Bagel, le feu 281 aussi. Et après ça, il y a les boules multicolores du village qu'on reconnaît, il y a les balcons, les escaliers montréalais, même un cône orange. Il faut savoir rire de soi aussi dans la vie. Au cœur du quartier des spectacles, j'ai adoré ma visite coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Et en plus, c'est un musée qui est gratuit. C'est vraiment comme si on entre dans une bibliothèque. Là. C'est la même chose. Là. C'est gratuit, on peut en profiter, on peut aller au café boutique, on peut aller explorer un peu l'histoire de la ville parce que, par exemple, on a un petit documentaire sur l'histoire des dépanneurs, on a un petit documentaire sur le quartier ici, Red Light / quartier des spectacles puis son évolution. Mais on a aussi accès à une exposition payante qui est Détour. Alors, Détour, là, c'est vraiment spécial. C'est des rencontres avec 18 Montréalais, Montréalaises qui nous font découvrir des morceaux de ville qu'on ne soupçonnerait jamais. Maintenant, ce soir, c'est soir de première pour Martin Matt en direct dès 20h à TVA. Je suis allée le rejoindre cet après-midi alors qu'il était en répétition à l'Espace Saint-Denis. Et il m'a parlé de la première fois où il a rencontré TVA pour présenter son projet. J'ai sorti de mon sac une feuille mobile qui était 8,5 par 11. Et j'avais tout le concept, le décor, la musique, les topos que je voulais dans le talk show. Et c'est ça, je voulais quelque chose de talk show un peu à l'américaine, mais grandiose, qui fait chic, qui fait moderne, qui fait nouveau. On a une salle qui est magnifique avec des projections sur les écrans. Il y a un côté cabaret. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Fait que c'est là, tu sais, mais je suis très, très excité. Martin Matt en direct, il reçoit Patrick Huard ce soir à 20h à TVA. Le mot de Cambronne. Merci, Christine.